Wow, super, le véritable professionnel qui se soucie du fait que son MacBook chauffe. Ben, je reprends, c'est pas bien grave. J'ai fait beaucoup, ben justement. La coupure du micro, elle vient de là. Là, c'est bon, vous m'entendez Je me suis tapé tout un forum euh, qui essayait de régler par des différents workaround euh, le problème de chauffe des MacBooks dès que tu mets un écran externe. Mieux ou comme d'hab Parce que normalement, ça devrait être comme d'hab maintenant. Sinon, j'ai comme plus rien. Et donc, dans toutes ces histoires, je me suis tapé mis pas mal de, de reboots en mode sans échec, en machin, en bidule. Et à chaque fois, j'oublie euh, ce brave petit micro ayant besoin d'une alimentation fantôme en 48 volts. J'oublie de, de le remettre en route sur la, sur la carte, la carte son. Voilà. De toute façon, après, j'ai dit que des bêtises, comme d'hab. J'ai dit que si vous n'étiez pas content, c'était le même prix. Donc, on va continuer comme ça. Euh, oui, si, quand même, d'important. Je vous ai redit que bah, si j'étais pas lundi, je dis au revoir à un collègue. Et puis euh, le soir, j'ai fait un, un live. Je pense que j'en referai un live de jeu. Un let's play, en l'occurrence, de, de City Game Studio. J'en referai sûrement. Donc je disais sûrement demain soir euh, à confirmer. Mais normalement, ça devrait le faire. Euh, sans plus attendre, hop. Donc là j'ai remis, si je lève la tête dans le coin, c'est que je me suis mis un écran là dans le coin et on va voir si j'arrive à faire le si j'arrive à faire l'émission avec le double écran, c'est quand même mieux. Je verrai après pour le redisposer. J'ai pas pu le mettre ailleurs qu'en routeur. Je reviendrai à une disposition plus face à moi si ça marche après. Alors la première chose avant de me faire tirer les oreilles, hop, c'est bien sûr de vous mettre le lien pour aller sur le Discord pour nous rejoindre si vous voulez venir parler ben les sujets sont vastes du code de l'électronique des Lego de la couture et puis du jeu aussi puisque maintenant je fais aussi des lives de jeu donc pourquoi pas vous pouvez nous rejoindre sur cette grâce à cette invitation en plus aujourd'hui je suis j'ai conglino donc il me surveille hein. tu as bien raison donc n'hésitez pas à venir papoter, a priori euh, les gens n'ont pas l'air trop mécontents sur le Discord, c'est qu'on ne doit pas être trop méchant. Donc n'hésitez pas. Au passage, bah, je vous rappelle de ne pas hésiter, euh, que ce soit là sur la chaîne Twitch où vous êtes un, en train de regarder en direct, euh, ou après sur la chaîne YouTube euh, quand je mets le replay. Euh, Abonnez-vous euh, pour ne pas rater euh, quand je fais une autre émission. Et puis n'hésitez euh, pas à mettre des... Des commentaires dans la version YouTube euh, si euh, vous voulez euh, des sujets particuliers, moi ça m'aide pas mal. Donc voilà, instant micro pub. Euh, ensuite, c'est euh, un micro pub, ça aurait été de vous rappeler que euh, vous avez dans le replay tous les liens si vous voulez me filer des ronds pour que j'achète encore plus de choses pour vous montrer. Euh, je vais vous montrer tout de suite hop, le premier truc. J'ai reçu, alors j'ai reçu pendant les vacances en fait, euh, j'avais commandé euh, ce qui est un module, hein, comme c'est écrit, le Kittenbot, donc c'est la marque Koi Artificial Intelligence Module, et moi dans ma tête, je sais pas pourquoi, je pensais que le microcontrôleur intégré allait piloter euh, tout ce qu'il avait besoin de piloter dans leur truc, euh, pas du tout, il faut déléguer ça, il euh, y a un certain nombre de... c'est pilotable par, euh, par I2C, et euh, il y a la possibilité d'utiliser une carte microbit, et vous savez comme j'aime la carte microbit, donc je vais vous montrer rapidement hop. salut B-Box! c'est normal que tu sois à la bourre du coup on va, on va donc déraper aujourd'hui encore euh, en termes de temps euh, je vais hop, revenir pareil dans les projets pas finis il fallait que je finisse le, le petit écran de contrôle, donc pour jongler avec tout ça, donc ça c'est le module euh, là je vous montre le, le dos, j'ai tourné la caméra à l'arrière là et Le petit module caméra, on peut le, on peut le pivoter. Hop, euh, voilà. Donc pardon, c'est ça le bon sens normalement. Non, bon sens. Ah oui, c'est parce que j'ai mis la caméra à l'envers de l'autre côté, pardon. Donc, vous allez me voir à l'envers, mais l'interface est dans ce sens, donc c'est pas très grave. Et vous voyez ici le port. Alors il y a une petite carte SD, il y a des boutons, donc il peut se passer d'autres choses. Et j'ai j'ai pas le module de chez Kittenbot qui doit s'appeler le Armorbit ou le, le RobotBit. J'ai celui de chez euh, Yabom entre autres. Qui est sur les, 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 robots, euh, les robots Lego. Je vous en ai montré un, mais comme je suis une grosse feignasse, j'ai pas fait les suivants. Il faut m'engueuler quand c'est comme ça. Et donc je branche la carte euh, microbit. J'ai la batterie pour alimenter euh, le module COI parce qu'il faut quand même pas mal de jus là. Et puis bah, je vais vous montrer sans plus attendre. Euh, un tout petit exemple parce que j'ai juste testé hier pour le faire fonctionner. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a visiblement un vrai effort côté Kittenbot. Là, ça, ça fait plusieurs. Alors, ils communiquent beaucoup là maintenant avec Twitter. Ils répondent, ils réagissent pas mal. Il y a un Discord où ils répondent pas mal aussi. Et ils ont une, une vraie attention euh, par rapport à un aspect important, c'est que jusque là, ils faisaient leur documentation ben, pour, pour leur pays dans leur langue. Et ils se sont mis à produire une vraie doc en anglais. Alors vous allez retrouver pas mal de leurs modules là-dedans. C'est une seule et même doc. Ça fait un peu fouillis, mais c'est une vraie doc, donc pas de problème avec un read the doc. Euh, toute la doc du module, donc, euh, COI, euh, Vous avez un quick start guide pour les microbits. Il y a les explications sur le firmware. Il y a un petit détail de, de, de tout ce qui est faisable avec. Euh, je vais vous montrer ça rapidement, si je vais directement là, hop hop Ça aurait été trop facile que ça marche comme ça, non pardon, je passe par là, excusez-moi Voilà, donc là on vous montre quelques photos euh, de ce que je viens de vous montrer Alors eux ils utilisent le, le Armorbit qui est leur module équivalent à Yabom pour faire les montages avec du Lego euh, parce qu'ils ont un câble qui va aussi bien là-dessus, mais ça, ça marche sans problème. Hein. Euh, donc ce que je disais, c'est que j'utilise aussi le Yabom parce qu'il faut alimenter ce module en 5 volts, et que la, la carte de Yabom est à la fois, à la fois de distinguer le 3V3 pour la microbit, et le 5V pour euh, des, des modules externes. Donc ils préviennent bien de ne pas se tromper dans l'alimentation, ce qui est louable de leur part. Et pour la partie euh, make code, euh, je vais vous montrer un truc que j'ai déjà fait, là, que j'ai retesté tout à l'heure, mais euh, c'est n'est pas très compliqué. La seule petite astuce, c'est de penser à aller dans le menu extension, de recopier, euh, mais ils indiquent tout, hein, le, le projet GitHub de leur extension, puisqu'il n'est pas encore validé dans, dans PXT. Et vous mettez simplement, là, comme ils disent, là, dans la, 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 la dialogue, euh, la petite boîte de texte, euh, vous faites une recherche, ça fait apparaître COI, euh, et vous vous retrouvez effectivement avec le module COI. Je vais vous montrer ça. Donc là, ils sont classés par catégorie on va dire de ce qui est possible de faire avec ce petit module. Il y a les éléments on va dire de base, c'est-à-dire le fait de bien se connecter. Alors ils ont distingué pour eux, ils ont un module un peu particulier avec un câble un peu particulier. Moi ce que j'ai utilisé c'est le système qui communique en série, un bon Dieu RXTX. Euh, et puis bah, j'ai utilisé voilà, les broches 12 et 13 pour le RXTX. Ça permet d'initialiser, d'établir le dialogue et de repérer le module. Après, on va avoir. Euh, je pourrais peut-être rapidement vous montrer ça aussi, mais euh, on peut choisir l'orientation. Dans la doc, ils expliquent les, les différentes valeurs pour euh, orienter l'affichage sur le petit écran. Euh, vous, avez, vous pouvez afficher du texte. Enfin euh, bref, vous avez euh, voilà, c'est ce que je vais vous montrer là. Vous pouvez aussi utiliser la petite caméra. Alors que je trouve pour l'instant pas terrible. Il faut que je, je vois si la mienne est bien dans un état normal ou si l'objectif a été sali dans le transport. Mais je trouve que c'est grand pas terrible du tout. Je verrai quand je, je vais attaquer parce que l'intérêt c'est de faire un petit peu euh, un petit peu d'IA avec, enfin du, du machine learning en l'occurrence. Et euh, il est capable normalement de reconnaître des couleurs, reconnaître des visages. Il faut que je regarde cet aspect-là. J'ai bien entendu pas eu le temps de faire tout ça, mais on y reviendra. Et après, vous pouvez utiliser euh, euh, avec le modèle que vous avez euh, chargé, vous avez un, un classifieur euh, qui vous permet de, de faire de la reconnaissance. Donc voilà, ainsi de suite. Euh, vous avez une partie plus graphique qui permet de repérer des formes. Vous avez une partie sur des QR codes. Donc je pense que je jouerai avec ça aussi pour vous montrer comment ça fonctionne. Euh, bien entendu, le côté QR code, ça a un intérêt euh, aussi si vous êtes. Il euh, y a un module euh, qui permet de se connecter en Wi-Fi à l'intérieur et faire par exemple du MQTT ou un certain nombre d'interactions avec l'extérieur donc c'est intéressant il y a un module de reconnaissance a priori vocale mais je pense que ça passe par le fait que ça envoie euh, sur un module spécial chez le sur le serveur de Kittenbot ils ont leur système pareil sur leur cloud qui permet de faire de la reconnaissance faciale donc c'est juste la capture de l'image qui transite sur leur système vous allez entraîner votre modèle et puis ça vous retourne la réponse ce genre de choses euh, dans Mort, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Ouais, faire un reset. Euh, le, voilà, le, le chargement d'un modèle que vous auriez entraîné par un autre moyen à côté. Ainsi de suite. Donc, je pense que j'y reviendrai euh, sur ce petit module pour faire un peu de machine learning. Là, ce que je voulais vous montrer, bon ben, c'est si j'appuie sur le bouton A, ça va prendre un screenshot sauvegarder sur la petite carte SD. Donc, c'est bien foutu. Euh, et vous avez euh, de l'autre côté euh, la possibilité de l'afficher. Oh salut Charlito Il y avait longtemps que tu n'étais pas passé avec toutes tes vacances dont tu as bien fait de profiter. Euh, je vais vous montrer l'exécution le, de ce petit code-là. Donc je l'ai chargé sur la carte microbit, évidemment. Hop. Alors, vous allez avoir l'écran un peu à l'envers, mais c'est pour vous montrer. Hop, donc là, il est ici. Si j'appuie... Alors, puis en même temps sur le bouton, ça va être rock'n'roll, mais... J'appuie sur le bouton A, hop, il vous affiche qu'il a sauvegardé euh, l'image. Et moi après je vais appuyer. Alors, je vais remettre la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez que c'est bien l'image carte chargée sur la carte SD. Hop. Voilà. Et donc si j'appuie sur le bouton B, vous allez avoir là, le screenshot pris. Alors bien sûr, à l'envers, parce que j'ai tourné la caméra. Mais voilà. Ne t'inquiète pas Charlito, on va prendre le temps. Le petit boîtier bleu, euh, c'est alors je vais mettre leur site parce que c'est plus propre. C'est un module de chez Kit bot où ils ont rajouté un, un module qu'ils ont appelé un KPU, si je ne dis pas de bêtises, pour faire du machine learning et un peu d'IoT. Euh, J'ai pas du tout creusé ce qui se passe avec, là c'était juste pour vous le montrer, c'était quand même dommage de l'avoir reçu et d'avoir rien fait avec. Euh, il n'est pas autonome sur tout, mais sur un certain nombre de choses quand même, genre faire du visual tracking, ça doit être possible, et de, du voice processing, on essayera, et, euh, et je ne sais pas ce que ça va donner ouais, cette histoire de face recognition avec le, le cloud de l'autre côté, leur cloud, mais je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de raison, euh, je vous ai mis zéro lien, je ne me suis même pas fait gronder, il fatigue avec euh, les vacances, euh, monsieur Conduino, et je ne me suis pas fait engueuler, <laughs> Alors, je vais vous mettre les liens, et bien sûr ça ne va pas marcher, mais tu ne m'auras pas deux fois comme ça mon bonhomme, je te le dis, voilà, je vais faire par là, donc c'est la, la fiche produit chez euh, Kittenbot, et l'autre lien c'est sur leur, euh, leur doc, euh, vous pouvez en profiter pour, euh, bah, pour voir ce que je disais aussi, c'est qu'ils ont fait de gros progrès sur euh, leur doc en anglais, qui n'était pas disponible jusque là, euh, notamment sur leur leur petit euh, outil kit and Block et euh, pom pom pom, il doit y avoir je ne sais où il faut aussi que je vous refasse avec euh, où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est, qu elle est range ton bordel Thierry Eh bien il ne la retrouvera pas sans cascade supplémentaire euh, Je vous avais montré la leur carte aussi, la, la Future, qui est un ESP32S2, euh, je crois. C'est ça là la Future Board. Future board. Et euh, voilà, ils vont euh, rajouter au fur et à mesure. Là, ils, ils te font croire que tu es en anglais, on est bien d'accord, on n'est pas en anglais, mais euh, ce que je disais, c'est qu'ils répondent sur leur Discord et sur Twitter et que bah, ça avance. Donc, vous voyez, même si les menus, ça déconne encore un peu, on voit qu'ils ont commencé à faire pas mal d'efforts. Euh, pour avoir une doc en anglais pour nous, nous aider, nous qui ne, ne savons pas lire leur langue. C'est un effort louable, vu qu'ils ont quand même. C'est ce que je leur avais dit. C'est pas grave que vous soyez à Hong Kong et que vous ayez votre site et votre doc dans votre langue, c'est pas un souci. Mais si vous faites un site web pour la vente en anglais, et bien les gens s'attendent à avoir la doc en anglais et ils vous ont fait de gros efforts. Donc, chapeau Kittenbot. Euh, L'autre truc que je voulais vous montrer, donc c'est cool, je vois que grâce à la présence de Bibox, c'est déjà sûr, je vous l'annonce, on va déborder. Euh, je voulais présenter, alors il y avait plusieurs choses que je voulais présenter, mais euh, je ne sais pas pourquoi j'ai copié comme ça, j'avais tout préparé proprement, on y reviendra. Il y a plusieurs projets là que j'ai relancés, euh, hop. il y en a un qui m'a fait euh, très plaisir, c'est... Battlesnake. Battlesnake, c'est un, un jeu où euh, l'affrontement se fait par la qualité du code que vous avez euh, poussé. Euh, la base, c'est euh, le principe du, du Snake, le jeu qu'on avait euh, sur, euh, sur les Nokia et qui se sont, euh, sont retrouvés. Ce jeu s'est retrouvé sur pas mal de, de téléphones mobiles au, fil, au fur et à mesure du temps. Donc, euh, le principe, c'est vous vous déplacez, vous choisissez d'aller à gauche, à droite. Si vous mangez euh, les petits points rouges que vous voyez, ça fait grandir d'une case de plus euh, votre serpent bah euh, snake ça toujours oui voilà c'est on snake ça a toujours été ce principe là le fait de rajouter le, le code par-dessus je, je trouve ça très sympa euh, en sachant que ça c'est le truc de base et alors euh, ils vont faire voilà vous l'avez sur l'écran euh, vous avez une compétition qui va démarrer en novembre j'ai déjà zappé là ça va revenir le petit bandeau de pub là revient revient non, septembre, voilà, à partir du 24 septembre, alors je ne sais pas si je serai prêt, mais je vous tiendrai au courant. Euh, j'ai l'intention de voir ce que ça donne et de faire un peu du code pour aller dans cette petite euh, mini-compète. Euh, le, le truc que j'ai trouvé euh, super intéressant, l'idée ça faisait partie des trucs que j'explore pour, euh, pour proposer, euh, soit dans les ateliers mixtines, soit aux enfants qui des fois, euh, par leurs parents, euh, euh, me contactent, n'est-ce pas Pitchy euh, et donc il y a d'autres trucs que je veux vous remontrer, comme code combat et autres, mais là, c'est peut-être pour un, un peu plus grand, parce que bon, tout en anglais, le langage n'est pas toujours évident. Euh, hop. Mais j'aime beaucoup euh, l'approche super pédagogique qu'ils ont. Euh, leur Discord est très intéressant en termes d'interaction avec les gens, euh, les gens qui, qui, qui ont du savoir viennent le partager avec plaisir, et c'est vraiment euh, rafraîchissant. Et euh, vraiment, juste avec votre navigateur, vous pouvez déjà, euh, déjà vous éclater, puisqu'ils euh, permettent d'utiliser un site qui s'appelle Replit, que je vous avais montré pour faire du Python, qui est en partenariat aussi avec euh, Josh pour euh, son EduBlocks, quand vous exécutez ça part chez eux, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et puis bah, moi, j'ai ma phase de faire un peu de Golang, donc je voulais en refaire un petit peu plus, pas que du TinyGo. Et il se trouve que ça fait partie des langages euh, possibles. Donc là, aujourd'hui. Euh, si vous regardez la date, la pardon, la doc à la date euh, d'aujourd'hui, euh, il est possible avec leur euh, ils ont proposé des starter projects, il faut savoir que derrière, ça n'est ni plus ni moins vous allez coder quelque chose, quel qu'il soit, qui est censé répondre à une adresse donnée, et qui communique euh, par le biais d'un certain nombre d'API sur euh, le côté euh, euh, Battlesnake. Donc ça peut être tout un tas de langages. Et aujourd'hui, ils ont proposé des, des starter projects pour Python, Go, JavaScript, TypeScript et Rust. Donc euh, vous avez de quoi vous amuser. Et je trouve que c'est un excellent moyen d'apprendre en fait. Euh, alors moi, j'ai fait pas mal de choses avec Go à côté. J'ai fait des petits cours et tout, mais rien de, de assez concret. Donc là, ça permet de mettre les mains sur un projet très concret. Donc je trouve ça très intéressant. Euh, au passage, donc, si vous faites par exemple Python... Vous allez vous retrouver sur le site de Replit, il va vous demander de créer un compte. Bon, vous revenez ou vous recliquez, et ça vous ouvre directement le projet, c'est tout prêt. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, il faudrait que je leur pose la question. Dans le cas de Go, alors ils disent que euh, ça va s'ouvrir sur Replit, c'est pas vrai. Ça va vous ouvrir, je vais vous le montrer, euh, donc, ça vous ouvre le, le GitHub qui correspond au Starter euh, Project pour Go. Mais euh, ben, en fait on, vous pouvez le lancer sur la machine que vous voulez. C'est vrai pour, tout, pour tous les autres, mais là celui-ci, ça part pas par défaut sur, sur Replit. Ça n'est pas très grave. Euh, je vais en profiter pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous partez de la doc, vous choisissez votre langage. Moi j'ai choisi le langage Go. Je me retrouve certes à, avec euh, le, le projet sur GitHub, mais ce n'est pas grave. Euh, vous allez sur le site de, de Replit.com, vous ouvrez un compte. Bon j'en avais déjà un. Vous voyez le, le REPL que j'ai fait en essai tout à l'heure. D'ailleurs, je l'ai supprimé. C'est marrant qu'il est encore en mémoire. Voilà. Euh, donc là, il ne l'a plus, tout va bien. Vous pouvez lier votre compte GitHub. Euh, ma seule petite tristesse, c'est je. Bon, le, parce que j'ai déjà codé un petit peu à côté. Je le préfère l'avoir dans un GitLab dorénavant. Je préfère d'avoir mes projets perso sur GitLab. Euh, et donc là, on ne peut pas faire un lien avec GitLab. Ils n'ont que GitHub. Euh, je pense que soit je trouverai une pirouette, soit je vais utiliser. Euh, ce qui fera sûrement l'objet aussi d'un live coding. Euh, J'aime beaucoup le, le projet Gitpod dont je vous avais parlé l'autre jour. Et euh, on fera un petit live coding et je vous montrerai le, le petit bot euh, Twitch que j'ai commencé qui marche déjà là, ça fonctionne. Et euh, j'aimerais bien que pour Battlesnake, euh, j'aimerais bien utiliser également euh, Gitpod. Donc pendant qu'on y est, hop. Si avant que je vous en parle, vous voulez être curieux, vous voulez voir quand je vous parle de Gitpod ce que c'est. Euh, Gitpod c'est ni plus ni moins. Alors d'ailleurs il y a un peu quelque chose de similaire que vous allez trouver ici. Là vous avez un point replit, mais il suffit de rajouter un point .gitpod.yaml. Et en fait, euh, directement ici, alors vous voyez là on peut euh, GitHub par défaut euh, sans que vous ayez des spécificités, c'est lancer une machine Gitpod. Là je pourrais. Donc euh, l'idée c'est de se retrouver, euh, que ce soit Gitpod ou que ce soit Replit, le principe est le même. Vous allez vous retrouver avec tout le code. D'ailleurs je vais le faire, comme ça vous allez le voir et je vous explique ce qui se passe. Donc c'est vrai pour Replit et Gitpod, même si je le préfère. Euh, on va ta, 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 lancer un new euh, Repl. Et je vais lui donner, évidemment j'ai copié entre-temps... Euh, je ne l'ai pas en mémoire là, de ce que j'avais tapé l'autre fois. Non, alors, on y retourne. C'est ça de faire 40 trucs en même temps. Voilà. Donc vous êtes sur Replit, vous lui dites de créer un projet et vous lui dites d'importer depuis GitHub. Donc il va aller chercher toutes les infos. Et donc à l'arrivée, Replit comme Gitpod, l'intérêt c'est que vous allez vous retrouver avec un VS Code version web dans votre browser, donc sans rien installer sur votre machine, avec vos, les fichiers du projet. Vous allez avoir. Alors là. Vous allez avoir euh, la possibilité d'avoir une interaction euh, pour gérer le, le côté Git, euh, le côté version control, qui ne marchera pas puisque là j'ai mis l'URL directement du projet. Il aurait fallu que je fasse un fork. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moi je le fais depuis Gitpod et depuis Gitpod j'ai euh, mon projet. En fait, c'est GitLab qui définit le fichier qui me permet de lancer Gitpod et j'ai un environnement différent. Je ne vous montre pas avec Gitpod aujourd'hui pour une seule raison, c'est que j'ai pas fini de configurer, il faut ouvrir un port, que ça communique avec Battlesnake, et j'ai pas eu le temps là, avant l'émission de, de préparer ça. Donc vous repartez, je résume, vous avez votre page Battlesnake, vous avez la doc, vous avez ouvert le starter dans Replit. Et une fois que vous êtes là, vous avez accès au projet. Vous avez un fichier, là c'est en l'occurrence c'est Go. Vous avez un main.go qui va vous définir en gros, euh, ce, ce, ça va être le même découpage dans les autres langages. Vous avez soit un main, soit un enfin, suivant de langage, il peut avoir un nom différent. Euh, vous avez la définition de toutes les, les, les structures de données utilisées pour interagir avec BattleSnake. Euh, vous avez euh, le code pour gérer, c'est ni plus ni moins qu'une interaction API euh, euh, par une API en HTTP qui échange et qui reçoit du, du JSON. Donc là, ça va vous découper le JSON, ça fait tout, tout ce boulot-là pour vous. Ce qui va vous intéresser, et on vous en parle dans le, le starter, le guide de Quick Start, c'est d'aller dans euh, logic. votre langage. Go. P, suivant ce que vous avez choisi. Et si je vais dans la doc, ils vous le disent. Première chose que vous pouvez faire, c'est euh, modifier, customiser euh, votre. Euh, votre petit serpent puisque on peut changer sa couleur on peut changer la forme de sa tête et la forme de la queue du serpent et si je vais ici donc par exemple là vous voyez par défaut c'est est, est, est gris on va mettre je ne sais plus ce que j'avais essayé l'autre fois voilà. une couleur a priori bleue donc là par défaut il y a le, le markdown aussi vous pouvez suivre mais vous verrez que dès que vous allez lancer ça switch de fenêtre, c'est pas toujours ce qui est le plus pratique. Moi j'ai gardé le site web à côté. Mais bon admettons, euh, vous pouvez au passage euh, dire que c'est euh, Titi Mobi ou si c'est calme euh, l'auteur, ça, ça peut servir après euh, dans la façon d'enregistrer le, le le serpent. Donc là vous avez le code. Euh, Qu'est-ce que je peux vous rajouter Je peux vous montrer rapidement ici. Euh, vous avez la documentation pour la personnalisation de votre petit serpent. Donc là. Il vous montre ce que ça donne si vous mettez une tête de beluga et puis euh, le choix curled pour la, la queue. Euh, en sachant que tout ça... Est-ce que voilà, il en parle là Si vous voulez changer, voilà, il y a un guide dédié à cet aspect-là. Donc vous avez toutes les têtes possibles et les queues possibles. Donc je ne sais pas, on peut utiliser euh, la queue bolt. Et puis la tête Evol par exemple. Donc là, on va venir mettre evolve. Et ici. Euh, Bolt, c'est ça. Ce que j'avais dit. C'est ça. On va fermer ça, on n'en a pas besoin. Ça, on verra après. Donc là, vous, vous sauvegardez bien sûr votre projet. Euh, vous êtes dans Replit, donc vous avez rien d'autre à faire. Vous faites un run. Vous pouvez passer éventuellement euh, par la commande shell, c'est ce que je fais par exemple sur Git, euh, Gitpod. Et vous faites go euh, run main.go et en avant, c'est tout ce que ça fait là. Donc là il vous le lance. Euh, gardez un œil quand même si jamais vous êtes planté, je sais pas, au niveau de la compile ou quelque chose. Euh, vous allez avoir un certain nombre d'informations ici, à savoir ici vous voyez qu'il a eu euh, ça comme définition, donc ça correspond bien à ce qu'on a mis. Vous avez les traces en dessous qui vous disent que ça a démarré sans erreur. Et intéressant ici. Dans Replit, cette URL que vous copiez, qui doit déjà être la bonne parce que j'ai testé, mais je vais vous montrer où ça se passe. Vous retournez bien sur le site de Battlesnake, vous allez dans votre profil, vous pouvez avoir un certain nombre de Battlesnake différents suivant ce que vous voulez tester. Donc, soit vous le, le créez, là moi c'est ce que j'avais fait, euh, et ensuite vous pouvez éditer ici pour venir mettre l'URL que Replit vous a donné. Euh, éventuellement vous rajoutez le tag pour dire que vous avez tel ou tel langage euh, vous pouvez partager euh, si c'est un code particulier que vous voulez partager vous mettez le, le repository et ainsi de suite quand vous allez faire save, ce qu'il va faire lui, c'est il va faire un check de la connectivité et vous voyez en haut j'ai du vert là, starter updated j'ai pas de message d'erreur, c'est que tout va bien donc si on suit ce que nous a expliqué normalement le c'est ni plus ni moins que ce que je vous ai montré. On le lance, on récupère l'URL, on va la copier, on vérifie que ça soit lancé. Voilà, il est enregistré. Et, eh bien, une fois que vous en êtes là, vous allez lancer une partie. Alors, pour lancer une partie, vous allez sur Play Game. C'est le moyen euh, basique hein, de le faire. Vous voyez que là, il est bien. C'est aussi un moyen de voir que c'est correctement lancé, que ça communique. Ici, vous avez votre starter qui est apparu. Hop, vous faites plus. Donc, la partie, elle y sera. Vous pouvez changer la taille du, du board, moi je l'ai laissé par défaut. Et histoire d'avoir quelque chose qui se passe, euh, vous pouvez faire euh, un ajout random d'un autre, euh, autre programme, donc euh, pour voir comment se comportent les autres programmes. Euh, je pense qu'il doit y avoir une évaluation, surtout là quand il s'appelle Starter, parce que généralement c'est aussi des programmes de starter que j'ai eu jusque là. Et vous faites Start Game. Start Game il va jouer la partie avec votre... Euh, ça, ça va relativement vite. Euh, il faut savoir que dans les règles du jeu, il y a tout, tout un tas de choses hein, dans la doc. Euh, suivant le type de compétition, vous avez un temps de réponse. Vous ne pouvez pas non plus euh, avoir un programme qui calcule des trucs pendant trois plombes, euh, qui stocke, euh, je ne sais pas, vous avez modélisé, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient ça, ils stockent euh, euh, toutes leurs parties où ils vont en choper sur Internet pour avoir les comportements des gens, ils optimisent, enfin bref, il y a des trucs pas possibles. Euh, en tout cas, vous avez un temps de réponse, si vous ne répondez pas, il fait, euh, il fait un comportement par défaut, je ne sais plus lequel c'est, ça va tout droit, je crois, un truc comme ça. Donc, il y a tout un tas de choses, mais ça s'exécute très vite. Donc, euh, à l'œil humain, on n'aurait rien vu. La, la partie est jouée, mais vous allez pouvoir la rejouer euh, après coup. Mais tout de suite, là, sans rien faire, la partie s'est jouée. Je le sais aussi parce que ici, on a euh, toutes les infos euh, qui ont euh, transité. Donc, là, par défaut, euh, il log les instructions de déplacement que vous avez données. Donc, euh, on va voir tout de suite après, parce qu'on va le modifier. C'est la fonction move. Euh, qui par défaut, donc là il, en plus c'est très bien documenté pour démarrer, on est à la step 0, il choisit euh, de manière aléatoire, euh, euh, il choisit une, une position, dans le sens où tout ce qu'on va vérifier euh, par défaut, c'est que euh, votre serpent, s'il se déplace, euh, ça fait un moment qu'il se déplace dans une direction, par exemple sur la droite, il ne faut pas qu'il décide d'aller tout à coup à gauche, sinon... Il va euh, percuter, oui c'est dans les règles du jeu, il ne faut pas percuter soit un, un serpent adverse, soit soi-même. Donc il ne faut pas revenir sur son propre mouvement. Donc là on vérifie, on a un certain nombre d'objets. On a un objet euh, la tête, my head, et on a l'objet cou, bah, c'est neck, qui est le, le, le morceau qui est juste derrière la tête. Donc ça permet de vérifier avec ces deux éléments que vous n'allez pas euh, vous rentrer dedans. Et il suffit juste de lui dire que dans les mouvements possibles, et eh bien en fonction des critères que vous donnez, vous allez mettre... Euh, un statut par défaut, c'est assez vrai, c'est true, Et vous mettez false sur tous les mouvements que vous voulez éliminer, jusqu'à ce qu'il y ait le, le mouvement qui convienne. Il faut faire attention bien sûr d'avoir un mouvement. Mais donc là, il a fait tout ça. Euh, vous pouvez rajouter éventuellement. On a la possibilité d'utiliser. Il y a une méthode log qui permet d'envoyer de, dans la fenêtre de droite les, les logs que vous souhaitez avoir. Au début, il y, a, il y a besoin de tracer un certain nombre de choses pour comprendre les mécaniques. Et euh, je crois que le Kickstarter tellement plus loin il vous explique si il vous explique le, ce qu'on va regarder donc là après vous avez la possibilité soit de jouer la partie euh, voilà elle va se balancer voilà donc vous voyez que mon adversaire il est monté il a mangé une des petites pastilles et moi bah, je suis sorti du jeu car il y a aussi une, une règle qui dit que vous ne devez pas sortir du du damier imposé du board et sinon vous perdez et ça tombe bien puisque c'est à la fois ce qui est... Euh, alors je sais pas si c'est suggéré dans le Kickstarter. Si voilà, il fait une liste. Euh, il faut que... Alors, éviter la collision avec vous-même, c'est déjà fait par défaut. Euh, éviter de... de alors, ils appellent ça rentrer dans les murs, c'est ce que je vous ai décrit comme étant le fait de sortir du, du casier, là. Et puis éviter de rentrer dans... Euh, dans les autres serpents, et au final d'avoir une stratégie par rapport à la nourriture, puisqu'il y a tout un tas de règles autour du fait qu'il faut grossir parce qu'ils pénalise ceux qui. S'il y a un match nul, c'est le serpent le plus long qui gagne. Enfin, il y a un tas de trucs comme ça. Donc voilà. Après, libre à vous d'implémenter tous les comportements que vous souhaitez et de discuter sur le Discord de, de tout ça. Euh, je sais pas si c'est dans la doc, peut-être dans le game mode. On va aller voir tout de suite, sinon je vais vous en parler. De toute façon j'ai un truc à vous montrer tout de suite avec un, hein. on, on va déborder, je l'avais dit, il est 35, on va continuer. Euh, voilà, il y a différents modes de jeu, euh, je vous laisse vérifier les, les règles du jeu. Et ce qui est intéressant surtout quand on débute, c'est qu'il y a aussi des challenges. Et des challenges qui au début correspondent à tout ce que je viens de vous montrer. Euh, c'est des parties euh, avec des, des soit des mises en place particulières, soit des objectifs particuliers. Et euh, ça permet de vérifier que vous avez atteint un certain niveau puisque vous avez réussi à euh, résoudre ces challenges. Euh, je n'ai pas encore euh, lancé les trucs sur les challenges, mais euh, le premier challenge correspond, euh, alors je vais fermer ça, il n'a plus besoin. Le premier challenge, je vais le stopper là parce va le modifier, correspond à ce qu'ils appellent la step 1. Euh, ne, ne sortez pas du cadre, ne ne tapez pas les murs, donc euh, je vous propose de le, le regarder ensemble tout de suite. Euh, donc bah pour ne euh, pas sortir du cadre, les lignes et les colonnes ont des coordonnées. Euh, je l'ai fait, c'est pour ça que je vous ai parlé du log. J'ai logué les différentes positions pour voir comment ça fonctionnait. Le coin en bas à gauche, c'est l'origine 00. Et euh, les, les valeurs x augmentent en allant vers la droite et bien sûr y augmente en allant vers le haut. Donc il vous propose d'ailleurs en aide de, de hop, le code qui va vous aider à avoir la largeur, puisque la page je vous ai montré tout à l'heure, on peut choisir une largeur et une hauteur euh, qui peut être différente. Tiens, Replit, aujourd'hui, ça rame pas mal, ou alors c'est moi. Ah mais vous ne m'avez pas dit, je suis passé en mode kung fu là. Vous ne m'avez rien dit, bande de petits coquins. Ça se voit peut-être moins, mais euh, moi je vous le dis, j'ai. Le retour du CPU à 90%. Bon, quand je vous montre du code et que je vous parle, c'est moins grave. Je vais vous mettre un petit coup de ventilo, comme ça vous allez avoir du bruit en, en, en fond, ça va vous occuper un peu. Euh, ça ne va pas empêcher de coder, mais c'est vrai que je me demandais pourquoi ça ramait. Donc là, on vous montre qu'on euh, peut récupérer de largeur et de hauteur. Euh, c'est quelque chose qui se trouve euh, dans l'état, dans le state. Donc oui, effectivement, je confirme que ça rame. Si vous allez euh, de ce côté-là, euh, vous allez avoir... Euh, alors, en dessous... Si je vais y arriver, voilà. on voit que. Toc, 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 je remonte. Ouais, ça ramasse, sympa. Donc, une structure de type board, elle vous fournit la largeur, la hauteur, mais aussi euh, toutes les informations qui concernent les cases où il y a de la nourriture, les cases où se trouvent euh, des, des serpents. Alors, vous et l'adversaire, hein, après. Euh, c'est pareil, Battlesnake, vous voyez que c'est une structure qui est en dessous, il euh, y a un identifiant, un nom, une santé, la, long, la taille, euh, où est la position de la tête, euh, voilà, ce genre de choses. Quel est l'état de la latence aussi, c'est-à-dire que ça joue aussi. Vous pouvez j'imagine surveiller votre latence ou celle de l'adversaire. Je ne sais pas trop quelle stratégie on peut mettre au point avec ça. Mais en tout cas, c'est disponible. Donc voilà, ça doit moins ramer le, le mode Kung Fu est parti un instant. On verra si je coupe le ventilo tout à l'heure. Donc, euh, vous avez votre hauteur, vous avez votre largeur. Donc, sans plus attendre au suspense, nous allons euh, récupérer la position. Vous voyez, là, il y a la complétion. C'est quand même euh, plutôt pratique et bien fait. Euh, si vous êtes euh, en zéro, ben, si la tête elle est en zéro, il faut surtout pas qu'elle aille euh, en zéro. Je vous rappelle l'origine en bas à gauche. Ça veut dire que on ne peut pas aller plus loin sur la gauche. Donc, il faut éliminer du tableau qui contient les mouvements possibles. Il faut éliminer le fait d'aller à gauche. Et on fait ça en disant voilà, false. Bon, si vous êtes à 0, on va quand même mettre un else if ici. Vous pouvez pas à la fois être la tête à 0 et la tête à Toto. Ah, ah, ah. Et euh, de l'autre côté de la largeur, voilà, vous êtes de l'autre côté. Si vous êtes de l'autre côté, c'est que vous êtes tout à droite. Et donc, il faut éviter dans les possible moves, vous devez l'empêcher d'aller, hein, il propose aussi la complétion là-dessus. Hein. Voilà. Ah, par contre j'ai fait n'importe quoi ici. Ouf, width c'est une variable qui sert à autre chose, c'est board width ma variable, voilà. Et euh, de manière similaire, nous allons faire avec la coordonnée y. Si je suis à 0, donc c'est que je suis en bas à gauche, ça veut donc dire que je ne peux pas descendre ça veut dire qu'il faut que je retire des mouvements vers le bas possible le down le bas toujours pareil si vous êtes en zéro vous pouvez pas être en même temps de l'autre côté la tête du plateau et hop ce coup ci c'est board 8 et ça veut dire que vous êtes tout en haut vous ne pouvez pas il faut retirer la possibilité d'aller vers le haut hop, hop. Donc là, ce que je m'attends à avoir dorénavant, c'est un, un serpent qui euh, ne se mord pas la queue. Salut Tréguis, Salut Goose euh, J'ai fait une typo là, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il se plaint Expected state. Ah oui, d'accord, j'ai fait else et pas fait else if, pardon. Donc là, j'ai un nouveau programme, je le relance, je vérifie que ça se compile et que ça se lance sur le côté. Ça ne change pas d'adresse hein, d'une fois sur l'autre. Et là, soit je relance une nouvelle partie, soit je fais un rematch. Voilà. Euh, et on joue la partie. Et donc j'ai fait un truc qui ne marche pas. Super. Super. Super Charles. Euh, C'est étonnant ça. C'est étonnant. Ou alors j'ai pas sauvegardé comme il faut. Qu'est-ce que tu me racontes mon bonhomme là hmm euh, super 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 évidemment bien entendu comme dirait l'autre à la répète ça marchait. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant le my head x Alors est-ce que c'est égal ou supérieur égal? Pardon, toc. Euh, j'ai l'impression qu'il a pas pris en compte mon changement de code. Pour vous, tout vous dire, hein, je me suis pris des notes de ce que j'ai fait tout à l'heure. Euh, et on va même le vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas une typo. Je me le suis noté tout à l'heure, évidemment. Voilà, c'est bien le même code. Hein on va le relancer ça ça fonctionne parfaitement la logique elle est quand même pas compliquée je vous l'ai expliqué est-ce que c'est le fait de faire un rematch où il recharge pas le re... ah, c'est peut-être ça il recharge pas il recharge peut-être pas non si c'est bon ah non il sort quand même dis donc super super on va refaire un play game pour voir si c'est ça je suis étonné ah, si je fais un play game tout seul ça dit quoi Là, il a réussi à se mordre la queue, mais bon, il n'est pas sorti. C'est étonnant, ça quand même. C'est étonnant. On va en refaire plusieurs. Bon, toujours est-il que c'est ça le principe. Hein. Pas de souci. Ouais, donc, ça marche bien, pas du tout. Super, super, super. Euh, Qu'est-ce que je peux faire on peut, par exemple, envisager ici, à chaque fois qu'il a une décision à prendre, on va avant tout lui dire, euh, hop, on va lui dire d'afficher my head. Je ne sais pas s'il est capable. Tiens, faire un test. Je ne sais pas s'il est capable d'afficher. les... Euh, enfin, je sais que je pourrais le faire en Python. Il afficherait la structure. On va voir s'il est capable de le faire. Donc, on va afficher my head. Et euh, on va afficher à chaque fois Hop. on va afficher le le board et je ne pas la complétion, c'est quand même étonnant là ce qui me fait il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. C'est toujours classe de citer ça. J'aurais pu dire boxon de boxon mais non alors on le stop on le relance et on va lui balancer une partie pour voir ce qu'il fait voilà en même temps je fais un petit live coding merde si je fais play game et que j'ai pas mis de robot hop, de serpent pardon voilà bon, c'est pas la peine que je le joue puisque je l'aurai derrière mais ça me permettra de savoir jusqu'où ça va ah, et maintenant il fonctionne c'est la grande blague de rajouter les traces dans un programme et tout à coup il fonctionne, c'est pas beau la vie. <laughs> donc il y a un truc qui s'était pas rafraîchi, hein. je ne sais pas à quel niveau, mais euh, visiblement... Ah voilà, donc là il y a quand même des cas où il se rate. Et donc c'était l'étape à la fin, donc ça tombe bien comme ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ah c'est moi qui ai été vilain, d'accord. J'ai compris, c'est ma faute, ma très grande faute. Euh, J'ai testé comme une crapule en disant qu'on ne pouvait pas être au bord, mais en fait visiblement il... Ouais, il fait des propositions de calcul, c'est ça. Non, pourtant, on était bien là. C'est marrant parce qu'il m'affiche 7, 10, 6, 10. Et à 10, il a décidé, il a affiché 6 et 10, il a dit d'aller à up. Ça, c'est marrant, ça. J'ai bien le my head y. Euh, qui est donc la deuxième valeur, c'est donc 10. Et mais non, le board, il fait 11. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Donc, effectivement, on a... C'est bien, c'est bien fait pour moi, ça m'apprendra à coder comme ça. Euh, on a choisi un board qui fait 11 par 11. Pas de problème. Mais, toutes les informations sont stockées dans des tableaux qui ont donc ont des indices qui vont de 0 à 10. Et donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est une bêtise. C'est ça, les coordonnées, ça va aller de 0 à 10. Quand t'es à 10, tu es à l'autre bout du du board. Donc soit je fais un petit coup de super égal. Non, parce que c'est avant de basculer. Hop. On va faire un moins 1. Et ce sera pareil ici aussi. Voilà. Zero based array. Et eh ouais. Ceci dit, euh, je ne sais pas vous, tiens, petit sondage, euh, mettez-moi un petit euh, commentaire. Euh, le seul langage que je connaisse qui utilise des tableaux euh, dont l'indice euh, de base, c'est le premier index, c'est 1 et pas 0, c'est LUA. C'est le loi. C'est le seul langage que je connais. Oui, c'est bon, tu vois, duno c'est ce que j'ai mis normalement en suggestion. Je sais qu'il y a un décalage entre l'image et ce que vous mettez dans les commentaires. On est d'accord, normalement, ça va mieux se passer. On va lui faire jouer une petite partie euh, bah, tout seul pour être sûr qu'il qu ne se morde pas la queue et qu'il ne se plante pas non plus. Et ça plante au bout de combien là. Bah là, a... Donc il y a une faute sur le... le code aussi de se mordre la queue visiblement. J'aurais bien aimé vérifier qu'il n'y ait pas de... Ah, c'est marrant qu'ils mettent du code. Alors en fait c'est peut-être pour ça qu'ils mettent le challenge step 0, c'est-à-dire qu'ils ont menti, leur code il n'est pas bon. Je pense qu'il a d'ailleurs le même genre de souci. Ouais, 3, c'est-à-dire qu'il va se remorder la queue. Ouais, ça a l'air de mieux se passer. Donc il y, y a quand même un, un bug à, à regarder sur le. Je pense que c'est le même principe. Hein, sur le, les... Pourtant, c'est les coordonnées de. Voilà, ouais, c'est étonnant. Là. Bref, il ne sort plus de la case. c'est ce que je voulais vous montrer. Mais là, visiblement, euh, il ouais, faudrait que j'affiche aussi euh, les coordonnées de, de l'autre. Si le coup, la coordonnée X est inférieure, pourtant, ça veut bien dire que le coup est à gauche. Les langages mathématiques ont des tableaux basés sur 1. Merci, Tregui. MATLAB, R et Julia. Ok. Et Je ne savais pas. Voilà. On s'enrichit euh, de connaissances, c'est merveilleux. Bon, je vais pas vous faire le coup de débugger cette histoire de. Je, je vous tiendrai au courant. Vous avez qu'à nous rejoindre sur le Discord, ce qui me permettra d'ailleurs de remettre le lien sur le Discord. Hein, on va faire comme ça. Hop, on va finir avec un peu moins de bruit de ventilo. Oui, tous ceux que tu connais, mais c'est déjà pas mal. C'est effectivement ça se tient donc matlab R, c'est marrant matlab je pense en avoir fait ça m'avait pas choqué mais je sais pas je n'ai pas fait assez euh, donc voilà je vous ai euh, je vous ai proposé deux petites choses aujourd'hui j'espère que ça vous a plu euh, donc euh, l'idée c'est que j'essaye de faire des lives le soir cette année euh, j'ai fait des choses un peu différentes là pour la rentrée euh, c'est la queue que tu percutes merci euh, merci c'est juste pour éviter de se rentrer dedans sur le niveau du coup il faut aussi, ça fait partie de la step, ben je ne vous rebascule pas mais je vais vous dire, euh, don't hit your yourself, ben c'est la step d'après, ça tombe bien, step 2. Euh, il faut, euh, on récupère les infos, dans la variable vous avez une variable qui s'appelle you et qui contient votre body, qui contient toutes les cases où vous êtes présent, donc il faut j'imagine euh, exclure la possibilité de se déplacer, euh, ça sera la step 2, tout à fait. Bien vu Conduino. Vous êtes vigilant, c'est très bien. C'est intéressant de faire du live coding parce que j'essaie de me concentrer sur ce que je fais et en même temps de vous répondre. Et je trouve que c'est très intéressant comme exercice, je vous le conseille. Donc, oui, je en train de dire que je vais essayer de, et bien ma foi, de vous proposer d'autres types de live. Vous avez vu lundi que j'ai fait un live de jeu, je vais en refaire un je pense donc jeudi soir. Ça, c'est pour faire aussi plaisir à la Moa Family. Salut tout le monde. J'aime bien faire du, du, du jeu comme ça et de le partager. Tu as tout raté B-Box, mais tu pourras voir le replay euh, que je vais poster dans la, la fin de journée. Là, je te, je te le passerai. Euh, ne t'inquiète pas, j'ai fait des bêtises de code. Et puis après, euh, c'est Kong Dino qui m'a rappelé à l'ordre sur euh, le problème qu'il y avait sur la fin du, du code. Bref, euh, tout ça pour dire, donc je vais essayer ouais, de faire des, des choses le soir. Euh, j'ai trouvé un rythme qui, qui convient à la maison euh, sans, sans gêner madame non plus, hein, puisqu'elle fait aussi des choses dans le bureau, donc je ne vais pas l'enquiquiner. Euh trop souvent donc on a un rythme qui s'installe à la maison je pense que j'essaierai parce que je trouve que c'est sympa de faire le calme entre midi et deux euh, ça permet surtout et j'y tiens à pas perdre les gens sur d'autres fuseaux horaires n'est-ce pas conduino parce que quand on quand je fais un live le soir et eh ben je sais plus ça te fait 3-4 heures du matin un truc comme ça donc euh, ça serait couillon donc je tiens à garder des lives entre midi et deux a priori je laisserai les émissions de type calme entre midi et deux <laughs> Merci Bbox de cette information qui va m'obliger à bien cliquer la case sur YouTube. Ce n'est pas pour les enfants. Euh <laughs> donc ouais, je vais essayer. D'ailleurs, n'hésitez pas, bah, soit à me pinguer donc Mobi sur Twitter. Je dois même avoir quelque part. Hop hop hop. Pour ceux qui ne savent pas lire, je l'avais déjà fait. Ça, où est-ce que c'est Ça marche Yeah m'écrire sur titimobile@gmail.com ou bien euh, vous pouvez m'envoyer des messages sur twitter, euh, mon alias c'est titimobi Et bien entendu, euh, je vous ai dit au début, vous êtes déjà sur la chaîne, donc euh, abonnez-vous pour connaître les prochaines les prochaines émissions, surtout si je me lance à faire des lives de plein de sujets. Je pense qu'il n'y aura pas tout de suite un rythme régulier. Et si vous êtes sur YouTube, ben, c'est pareil, je mettrai les replays, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et à mettre des commentaires. Et donc l'idée, c'est sur tous ces moyens-là. Euh, Mettez-moi les idées de live que vous voudriez que je fasse éventuellement. Bon moi, je vais continuer les calmes parce que ça fait un peu d'actu, ça fait des petits sujets techniques. Ça me permet de montrer un peu d'électronique, ça me permet de montrer un petit peu de code euh, comme ça. C'est la première fois que je fais autant de live coding, je crois. J'aimerais faire du live coding aussi, donc on fera des soirées live coding. Je ferai bien entendu un live PC, allons-y, j'attends celui qui va me suggérer. Euh, un live où je hein, fais des choses avec mon micro, si j'ai un spa euh, monté à l'arrière, enfin bref voilà, mais sinon plus sérieusement euh, je pense que je ferai du live coding sûrement sur Battlesnake euh, très probablement alors je ne sais pas si c'est euh, compliqué à faire mais euh, est-ce que je ferai un, des live coding aussi sur mon robot euh, pour Twitch, que de toute façon je publierai en open source après euh, je pense que je ferai euh, je ferai des live Live Atari 2600. Ah, ouais, mais j'ai pas de 2600 à la maison. J'en ai que dans City Game Studio, si tu veux passer. Pardon, j'ai une Watagi, uh, Watagi 2600. Donc, mettez dans les commentaires, faites-moi des messages. Un live dance en bikini, en Pythonista. Euh, je peux refaire du circuit de Python, ouais. Là, c'est plus avec le côté électronique. Euh, donc, euh, peut-être que le mieux, je vais y réfléchir. Je vais regarder un moyen simple de faire un petit sondage euh, que je posterai sur tous ces différents moyens. Je vous le donnerai ici en live, je le mettrai donc dans les replays, je le mettrai sur Twitter. Je vais faire ça. Je vous ferai une liste de propositions et je mettrai un sondage euh, avec une, une option ouverte pour que vous fassiez vos successions, qu'elles soient stupides ou non. Je pourrais vous faire des séances d'ASMR. Euh, et on fera euh, en fonction de, de, de ce que. De ce que vous trouvez. Au passage, bonjour Noé Voting. Je crois que c'est la première fois que je vois une intervention de ta part. Euh, c'est cool, faut pas être timide, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a qui passent sans mettre de commentaires. Vous avez le droit, vous pouvez juste regarder, il n'y a pas de souci. Mais les petits commentaires, euh, bah d'abord, ça fait plaisir et puis ça fait avancer le schmilblick. Donc je vous ferai un petit sondage. Je vais préparer ça pour savoir. Euh, donc les calmes, c'est sûr, je vais les continuer. Je vais, c'est sûr, faire du live avec euh, des jeux, au moins City Game Studio, voire d'autres. Et puis sûrement du live coding et là bah, c'est ouvert à plein de choses donc je note euh, du live coding dans Pythonista qui je rappelle est euh, l'outil pour faire du Python dans l'iPad on peut faire du circuit de Python on peut même peut-être imaginer des combinaisons de tout ça euh, du live coding ASM Z80 je suis pas sûr parce que c'est trop loin pour moi mais pourquoi pas on ne sait pas Pico8 intéressant ouais ça fait longtemps que j'en ai pas fait aussi euh, Pico8 pour ceux qui ne se rappellent pas c'est cette petite console virtuelle euh, qui se code en LUA des live coding en ASMR bien entendu mais quand je fais du live coding je crois que je parle pas très fort hein. enfin, ou plutôt quand je suis concentré donc euh, le jeu l'autre jour on m'a fait la réflexion aussi, ma voix change un peu j'ai pas tout à fait la même voix, je suis plus posé donc on verra euh, oui je suis encore avec Ekam Live, donc euh, je vais récupérer tout le, le chat. Là, j'aurai toutes vos suggestions, je vais les mettre de côté. Euh, je verrai si je les inclus dans le sondage ou pas. Ça peut faire un, un live rangement de bureau. <laughs> un petit... Euh... Voilà, vous entendez le petit caressé de micro. Un live rangement de bureau, il y aurait de quoi faire vu le boxon qu'il y a. Et euh, là, aujourd'hui, ça s'est encore aggravé. Euh... Je n'ai pas... pas le temps de vous montrer. Donc là, j'ai le deuxième écran. Euh... Qui m'a donc déclenché aujourd'hui la petite surchauffe, mais bon, je m'en fous, c'est quand même plus pratique pour faire du live. Et euh, l'autre jour que je faisais euh, sur le Shadow PC, c'est indispensable pour que je puisse voir le chat en même temps, sinon c'est trop pourri. Euh, et il ouais, faudrait quand même que je vous fasse une. Je vous mettrai une photo sur le Discord de mon install du jour, euh, Romanian style. J'ai attaché, euh, <laughs> attaché le MacBook en foutant des ventilos USB dessous que j'ai collé bref. Je peux vous faire un live de lecture de livres, bah ça c'est une proposition originale. Euh, sauf qu'il y a des problèmes de droit d'auteur aussi. Enfin, je pense que pour l'instant ils ne doivent pas nous casser les pieds. Euh, ils respectent pas la loi sur euh, le fait que je puisse pas jouer de musique, euh, que ça soit YouTube ou euh, Twitch. Pourtant normalement on a le droit d'interprétation, euh, surtout en amateur. Mais pour les bouquins, je pense qu'ils ne doivent pas filtrer encore. Mais euh, <laughs> un live de lavage de pieds, bah ma foi. Écoute, je vais faire la liste. J'espère qu'il y aura pas trop de monde qui votera pour. Mais je censurerai, hein. je serai le dictateur à la fin. Prendre des livres sur la programmation TO770, personne ne te courra après. Non, mais euh, blague à part, c'est les trucs que j'avais fait. Il y, avait un, il y a un projet, je ne sais plus si c'est lié à Gutenberg ou à un autre, où on peut donner sa voix. Donc j'avais fait des, des essais. Mais euh, il faut que ça tombe sur des bouquins où ils ont des besoins et tout. Je retournerai voir ce que ça donne. Je trouve ça intéressant. Non, on en parlera, tiens, je, 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 je note ça aussi. Je vais vous laisser là parce que ben, il va falloir que je mange. Ça va être court pour reprendre le boulot pour certains, j'imagine, pour moi aussi. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'être passé, je vais noter vos suggestions, c'est promis juré, euh, je trouverai le moyen de vous faire passer euh, le petit sondage, ceux qui seront sur le Discord l'auront aussi en même temps, et, euh, et puis c'est pas mal, hein Bon appétit, euh, bonne journée, passez euh, du bon temps aussi en famille pour ceux qui ont une famille, prenez des vacances si vous pouvez, et à très bientôt